السلام مرحبا بكم اليوم سيونس باش نخدموا فيها ليميت ازويل معناها لي ليميت تاع لي فونكسيون تريغونومتريك دونك باش نركزوا سورتو على الفورم 0 سير 0 مي المره هذه مع دي, دي فونكسيون تريغونومتريك اش معناها شنو باش يتبدل شنو جديد الجديد هو هذا باغ اكزومبل كان ليميت لورسكو اكس طون ليميت لورسكو اكس طون فير اه 0 de sinus x sur x. عندي on a زيرو sinus 0, 0. سور 0, فورم احنا المرة اللي فاتت قلنا انه كتبنا عندي فورم ان وعندي ليميت لورسك اكس طون فار ان X تخرجوا اكس زا في النوميراتور وفي بي. المشكلة هنا عندنا فونكسيون سينوس معناها الفاكتوريزاسيون اي امبوسيبل Impossible de faire, par exemple, dans l'exemple de ceci, de mettre x en facteur. Quelle est la solution La solution est le théorème que nous avons, vous savez ce que nous faisons. Le théorème, je vais vous le donner. Le théorème, f dérivable en a, si et seulement si, je dis bien si et seulement si, limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, c'est égal à

Donc, on a la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a égale f prime de a. On a nous automatiquement f est dérivable en a. Mais, c'est ce que nous avons dans le sens direct. Sens direct, c'est sens enfin, direct, c'est un sens direct. Donc, yani, on a fait un f dérivable en a. Donc, la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, c'est égal à f prime de a directement. Exemple. Nous avons l'exemple qui est comme l'autre. Nous a de la fonction f et x. On a ceci sinus x. Et, on a, la fonction est dérivable sur R. Donc, f dérivable en 0. Donc, limite lorsque x tombe vers 0, f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est égal f prime de 0. F prime de 0 qu'on trouve dans le tableau comme le tableau de euh, la dérivée. la fonction sinus sa fonction dérivée est la fonction cosinus donc la limite ici est là, j ai, j ai, j ai bien cosinus 0 cosinus 0 c'est 1 donc ici on peut la notion de dérivabilité pour la limite de la fonction trigonométrique on peut un exemple L'exemple la première, limite lorsque x tend vers pi sur 6, sinus 2x moins racine 3 sur 2, sur x moins pi sur 6. L'exemple de x tombe vers pi sur 6, donc 2x atteint pi sur 3. Sinus pi sur 3, racine 3 sur 2, racine 3 sur 2, moins racine 3 sur 2, 0, 0 sur 0, forme indéterminée. Forme indéterminée, on a fait séance on a fait à la forme indéterminée que nous, automatiquement, on x a on x moins 1 en facteur. On a x moins pi sur 3 en facteur. Mais comme on dit, l'a fait avec le choix, on fonction sinus, la factorisation est impossible. Donc, le problème est le théorème de dérivabilité. Qu'est-ce qu'on fait On va prendre soit f, x, on a ceci, sinus, 2x. C'est dérivable sur r, donc, f est dérivable en pi sur 6. Mais, donc, voyez limite, lorsque x tend vers pi sur 6, de f de x moins f de pi sur 6 sur x moins pi sur 6, c'est égal à f prime de pi sur 6. Et f prime de x, c'est égal à 2 cosinus 2x. Je le tableau. Je fais vous le tableau. Sinus AX plus B. Sa fonction dérivée, la fonction qui est X, on a ceci A cosinus AX plus B. A cosinus AX plus B. L'antenne est 2. Donc, c'est 2 cosinus 2x. Donc, elle limite à F' de pi sur 6. Je vais 2 cosinus. 2 fois pi sur 6, on a pi sur 3. Cos pi sur 3, 1 demi. 1 demi fois 2, c'est égal à 1. Donc, au limite limite est 1. On voit a le résultat dans la première partie. l'exemple. la l l Limite lorsque x tend vers 1. 1 plus cosinus pi x sur x moins 1. Donc, en fait, on a fait le f. Donc, soit f, mais on a 0 sur 0. C'est clair on dit 0 cos pi moins 1, 1 moins 1, 0, 0, 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, on a une fonction f, soit f, x, on a ceci, on a un plus cosinus pi x, on a un cos pi x, on a le résultat. Donc, elle est dérivable sur r, où f prime de x, c'est égal à moins pi sinus, Pi X. tableau. Dérivé de la fonction cosinus AX plus B. C'est égal. C'est la fonction X on associe. Moins A sinus AX plus B. L'âme ternière. Dérivé de 1 à 0. Où le Pi. Et A, A, A. Donc F prime du X. C'est à A, moins Pi sinus Pi X. Donc f est dérivable en 1, alors limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Remarquons, on dit f de 1, hein, f de 1, ça vaut 0. Donc c'est égal, f prime de 1, c'est égal, moins pi sinus pi c'est égal à 0. Je vais vous exemple l'exemple. Il y a une limite lorsque x tend vers moins pi sur 4 plus racine de 1 plus tangente x sur x plus pi sur 4. Malheureusement, on y a une racine carrée. Donc, si Donc, suis en train de la science, je vais vous la forme indéterminée, Il a de 0 sur 0. Donc, il y a la factorisation. Mais, si je suis en racine carrée, je vais le conjuguer. On va ensuite faire la factorisation. On peut aussi, en conjuguant les racines carrées, utiliser le théorème de dérivabilité. Qu'est-ce que ça veut C'est égal à la limite lorsque x tend vers moins pi sur 4 plus de 1 plus tangente x rappelé par la racine de 1 plus tangente x sur x plus pi sur 4 fois 1 sur racine de 1 plus tangente x.

Donc, une autre fonction f, x, on associe tangente x, est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2. On a remarqué, on a fait le tableau, le tableau on a fait le tableau, on a la fonction tangente, est dérivable sur r privé de pi sur 2 plus k pi k appartenant à z. Mais en particulier sur moins pi sur 2, pi sur 2. On a moins pi sur 2, pi sur 2, c'est qu ce qui est le programme. Z est L'intervalle est moins pi sur 2, pi sur 2. Et f' de x c'est égal à 1 plus tangente carré x. Kif, kif, je vais ce tableau. Dans ce tableau, il a la dérivée de la fonction tangente. La fonction tangente, sa fonction dérivée est 1 plus tangente carré x. Ouais, la z 1 sur cos carré x, et est 1 b. Donc f est dérivable en moins pi sur 4, entre moins pi sur 4 appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, et donc limite de f du x moins f de moins pi sur 4 sur x moins moins pi sur 4, lorsque x tend vers moins pi sur 4 plus c'est égal f' de moins pi sur 4. C'est égal, donc 1 plus tangente carré, 1 plus tangente carré, moins pi sur 4. C'est égal 2. Et comme la limite lorsque x tend vers moins pi sur 4, plus de 1 sur racine de 1 plus tangente x, c'est égal donc tangente moins pi sur 4, c'est 0, c'est moins 1 plutôt. 1 moins 1, 0, 1 sur 0, donc pour plus que ta racine carré, donc c'est un 0 plus. Donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Je vois là, on a limite j'ai euh, 2. Ouais, j'ai plus. L'infini. Donc, conclusion, conclusion finale, conclusion, limite, lorsque x tend vers moins pi sur 4, plus de racine de 1 plus tangente x sur x plus pi sur 4, ça vaut plus l'infini. Théorème, il théorème, je احنا في عود كل مره نستعملوا تيورام تاع الديريفابيليتي دونك في البروغرام شعملوا عملوا حطونا دي فورم حاضري. حاضرين حاضرين اش معناها معنا كل مره تبقى تعمل في الديمونستراسيون قال لك سافا استعملها ديريكت ديجا كان تلاحظوا الاولانيه الفونكسيون الاولانيه هذه الليميت الاولانيه هذه هذه هي منين جات نورمالمون الاصل تاعها منين جات من التيوري اللي كنا نحكيو فيه بكري شمعناه معناها معناها انا نزيدوا معناها ا آه ريال نون نول Donc, elle doit dire que f, x, on a ceci, sinus, ax. Donc, est dérivable sur R. f' de x, c'est égal à cosinus, ax. Donc, f dérivable en 0. Donc, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, lorsque x tombe vers 0, égale limite. Lorsque, égal à f' de 0. Égal f' de 0. Et donc, limite, lorsque x tend vers 0, de sinus ax moins sinus 0, il 0, sur x, c'est égal à f' de 0, il y a cosinus 0, il y a.

1 moins cos x sur racine de x carré plus 1 moins 1 fois racine de x carré plus 1 plus 1 fois racine de x carré plus 1 plus 1. C'est égal, limite, lorsque x tend vers 0, 1 moins cos x.

ou une limite senière, ça vaut 2. Donc c'est égal à 1. Donc la limite d'année, c'est 1. Sur l'exemple est bon, la limite d'année est 0 sur 0. Donc forme indéterminée, une racine carrée, et si vous avez une racine carrée, vous pouvez la faire. Et si vous avez une forme, elle est en limite lorsque x tend vers 0. Donc vous pouvez donner x sur tangente x fois 1 sur... Racine de x plus 1 plus 1. égale, limite, lorsque x tend vers 0, donc 1 sur tangente x sur x, on va l'inverse, fois 1 sur racine de x plus 1 plus 1. Mais, et la limite, ça vaut 1. Donc, nous avons a est tangente à x, tangente à x sur x, lorsque x tend vers 0, c'est égal à 1. Ou l'1 est 1. Donc, il y a une limite de 1. Et la limite de Donc, c'est clair que c'est 1 demi. C'est égal à 1 demi. Exemple il On a la limite de tangente x moins sinus x sur x au cube. Mais, maintenant, c'est où je Tangente x, tangente x, c'est égal à sinus x sur cosinus x et donc sinus x et cos x fois tangente x. Donc si on factorise, neuf sur tangente x en facteur, il faut connaître les limites lorsque x tend vers 0 tangente x moins cos x, tangente x sur x au cube. C'est égal, limite lorsque x tend vers 0, tangente x, facteur de 1 moins cos x, le taux sur x au cube. C'est égal, limite lorsque x tend vers 0, tangente x sur x fois 1 moins cos x sur x au cube. Donc, هذا ليميت اوزوال عندنا منه 1 وهذا كيف كيف اوزوال عندنا منه 1 يعني اكس دونك هذا كل في كل